Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment supprimer une carte sur l'application Trello. Alors, je me retrouve ici avec une carte tout simplement contenant une tâche coaching avec Marc. Disons que je souhaite dans un premier temps archiver ceci. Ce que je vais faire, c'est cliquer dessus. Et là, je vais aller tout en bas, puis je vais retrouver ici archiver. Je vais cliquer dessus. OK. Et là, si je sors, vous allez constater que ma tâche aura été automatiquement archivée. Alors, disons que je souhaite restaurer ceci. Ce que je vais faire, c'est cliquer sur les trois points juste ici. Et là, je vais cliquer sur tâche archivée. Puis, je vais pouvoir donc le renvoyer sur le tableau. Alors, je clique ici. Et là, vous pouvez retrouver votre tâche immédiatement restaurée. Alors, disons que je souhaite ici maintenant supprimer ceci. Ce que je vais faire, c'est double-cliquer encore une fois de plus dessus. Je vais défiler tout en bas. Je vais cliquer sur archiver. Et là, je vais cliquer sur supprimer. Et là, tu peux voir que tu vas donc définitivement supprimer la carte. Alors, tu vas cliquer sur supprimer. Et là, tu vas constater que ta carte sera automatiquement supprimée.